Centre hospitalier universitaire moderne mutinduka ka bameka to kutuba ya uteteleka ya kele kifulu yina baminganga ya ba clinique vis universitaire nyonso ya Congo démocratique ba yuba na kukuza awa samu na kusosa samu na kusala bisala ya kusosa sosa to recherche na ba oki bana kusalama awa sasa yina bameka tusa dizina ya mama yemo yina beto mesala ka kubanda ntama bame pesa ya una dizina impa ya centre hospitalier universitaire de Kinshasa ba mambo mingi penza ya mfunu te bana kusalama a ban panga luzolo beno za bati ndambu ya ntete metungama za bati metungama na baitage iya ya kele na urgence rez de chaussée inti ya ntoto pe bake bana kusala gaz a wata bati konso disuko ke bana kuvanda na gaz beto moske bana kusala a gaz a wata bati na ya kele na bake zibula pe ya ka morgue to kifula kubia ya kulunda ba mvumbi kifula madidi ya kulunda ba mvumbi yake vwanda penza na kulanda penda ba siku ya yinza kifulu mosa kitoko ba mvumbi nenda vwanda penda na mutindo mosi ya mbote yake kota ba mvumbi pene pene ya kama mosi makumi sambanu ya mvimba za batina manima na yau bafu na bongisa kifulu ya ntete inatunga maka babu andaka bukila dispensaire des indigènes kifulu ina bai kuza bongisa yao kasi mutindo mwaza bisa yao teteleka sobolo penza meka tuwa kukota disuasane ikele bele na bakusa jaka mama yemo fe mama yemo ina bino sabaka na nkama nkama yao jaka fe mame ya mekuma awa ya mama demu ya kaka mekuma awa bakongole bake jaka na nkaduru vya ukwenda landa toku baka mavimpi na kifulu nkaka mpamba ve mfumwa inti mekuza sala penza kisalu mosi ya mbote mbongo mame tungila l'hôpital est mécatoire appelé un sandouku ya l'état ya que les bons penza ya bana Congo démocratique ba me deva ya ouvé ya que les penza di banza mécatoka na inzo bisalo ke talaka mambu ya mavim plutôt au ministère ya santé pe na beseko pe beseko bokilisaka ba compagnie ina kele na bisadu nyonso samuti ba kuza sala abisala muti no mutindu ya vandaka compagnie moderne construction de bimakande ya de kukisaka ba mabanza ba mambu nyonso samuti ni kuza sala bisala na tata kutuba ya kele compagnie na penza moderne construction de na kusala bisala kutunga inzo ya ito l'hôpital ya nene ya ya mama yemo na ntama mpangi blaze bokokia. Très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien ici au niveau de ce centre hospitalier universitaire Renaissance qui sera inauguré tout à l'heure par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un complexe hospitalier sorti des terres entre les avenues Kasavubu, comme nous l'avions dit, et Wangata. Nous sommes dans la commune de la Gombe, construit en 4 niveaux. Plus rez-de-chaussée, plus sous-sol, M. César nous en a expliqué. Aucun détail n'a été épargné. Construction des marches pour y accéder, surtout les personnes qui n'ont pas de difficultés pour marcher. Et construction également des allées pour les personnes vivant avec handicap. Car cette catégorie des citoyens congolais mérite respect et considération. Cérémonie agrémentée par plusieurs orchestres, à l'instar de Karmapa avec son orchestre Karmapa qui a eu l'occasion de chanter la première version de l'hôpital Mama Yemo. Il y a eu beaucoup d'encre et salive ont coulé à partir de cette chanson. Et aujourd'hui, Karmapa, qui n'avait fait que la peinture de l'ancien hôpital Mama Yemo, ex-hôpital général de référence de Kinshasa, une description nette de ce que donnait ou ce que dégageait comme beauté au niveau de cet hôpital. Aujourd'hui, Karmapa doit être l'homme le plus heureux parce que son alerte a donné des fruits et j'espère que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était parmi les premiers à suivre la première version de Karmapa. Et aujourd'hui, Karmapa a chanté la deuxième version pour dire merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Kia. Pour rappel, lorsque Karmapa a sorti cette œuvre musicale, eh bien, il est passé sur le plateau de l'émission Carré ou Variété, une première, et la semaine qui a suivi, les médecins de l'hôpital général Mama Yemo ont demandé un droit de réponse pour réagir par rapport aux propos de Karmapa, qui était aussi sur le plateau, qui a donné aussi ses explications. Et aujourd'hui, comme tu le dis, c'est l'un des hommes les plus heureux parce que pour la cause, eh bien, le ministère de la Santé a fait appel à lui pour agrémenter l'inauguration de cette institution médicale qui fait peau neuve. On peut dire, en tant qu'artiste, il a réussi son coup.
Merci. D'un moment à l'autre, le président de la République va arriver ici au niveau de ce centre hospitalier universitaire Renaissance pour procéder à son inauguration. Mais en attendant, il y a déjà le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui est déjà arrivé, le ministre de la Santé Roger Kamba qui est déjà là. Il fait partie du comité. Et nous saluons également l'arrivée de Giscard Koussema, l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. Giscard vient fraîchement de l'UPN, Université Pédagogique Nationale, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une cérémonie analogue. Nous allons en savoir plus. La RTNC avait déployé également son arsenal personnel et logistique pour la couverture médiatique de cette cérémonie. Il y a eu certainement quelques petits bobos au niveau de la valise satellitaire. Vous allez suivre ce soir sur nos antennes l'intégralité de la cérémonie qui a été présidée par le chef de l'État aujourd'hui, cet avant-midi, à l'UPN. Giscard Koussema, bonjour. Bonjour, cher Blaise Bokokia. Vous allez nous dire en peu de mots ce qui s'est passé réellement au niveau de l'UPN pour que les téléspectateurs de la RTNC, chaîne des grands événements, puissent avoir une idée sur les activités du chef de l'État à l'UPN. C'est un événement qui fera date aujourd'hui, mardi 19 décembre 2023, là, après 61 ans, après la création de l'Université Pédagogique Nationale, le président de la République vient d'inaugurer les nouveaux campus de cette grande université, la deuxième en tout cas, la plus grande après la prestigieuse Unikin. Et aujourd'hui, donc, le président de la République était tout heureux de pouvoir inaugurer un projet qu'il a monté il y a seulement 18 mois. En 18 mois, trois imposants bâtiments sont sortis des terres et surplombent la colline du quartier UPN. Et avec des bâtiments qui répondent aux standards internationaux. En tout, ce sont donc trois bâtiments qui abritent 42 auditoires équipés en bancs et à tout ce qu'il faut, en tout cas pour donner les meilleures conditions de scolarité. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà donc de ces nouvelles infrastructures, il y a aussi tout ce qui est aménagé au niveau de l'université, parce que ces infrastructures s'ajoutent à des bâtiments qui avaient été réhabilités, des homes d'étudiants, des résidences d'étudiants à cette université. Et jamais, jamais dans l'histoire de ce pays, on a vu un tel événement de bâtiments de telle qualité sortir des terres. Et donc, c'était une effervescence totale au niveau de l'Université Pédagogique Nationale. Nous aurons le temps de les voir ici. Les corps enseignants, les étudiants étaient tout heureux de recevoir ce bâtiment. En fait, aujourd'hui, c'est une journée qui restera historique, en fait, parce que elle va montrer que la reconstruction du Congo est possible. Au-delà du campus de l'UPN, il y a cet emblématique hôpital Mamayemo, le plus grand du pays en tout cas. C'est l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu pratiquement un mouroir, qui reflétait la déliquescence de l'État. Et aujourd'hui, on voit ces bâtiments, ce n'est pas une maquette, hein, c'est des images réelles. Et d'ailleurs, dans les instants qui suivent, nous allons projeter des images tournées ici avec nos drones à l'intérieur. Et on a survolé ces bâtiments jusqu'à l'intérieur. Vous allez voir tous les compartiments. C'est un bâtiment donc ultra moderne qui donne toutes les meilleures conditions, parce qu'en fait, les malades qui viennent ici retrouvent déjà de l'espoir par rapport aux infrastructures qu'il accueille. Par le passé, rien que le bâtiment donnait du traumatisme. C'était un mouroir, c'était un lieu simplement où on gardait les morts, une morgue. Mais aujourd'hui, c'est un véritable hôpital général de référence. Et tout cela, en quelques mois seulement, sur fond propre du gouvernement central. Et d'ailleurs, le président de la République va faire son entrée d'ici quelques instants, parce qu'il vient justement de traverser la ville. Il est venu de l'UPN, il sera ici. Et à quelques mètres d'ici, il va visiter également le grand marché, qui n'a rien à voir avec l'ancien. Et l'apothéose de tout cela, c'est à la tombée de la nuit. Un spectacle qui va donc rivaliser celui des Jeux Olympiques. Au centre financier. Au centre financier, nous y avons travaillé jour et nuit.
je vous assure que ce qui va se passer ce soir, c'est un grand événement. Alors là, le président de la République vient d'arriver. Merci. On vient de le voir. Il vient de fouler ses pieds ici à l'hôpital général de Kinshasa pour un projet qu'il avait lancé et qui a connu son aboutissement heureux. Merci. Giscard Koussema, des bâtiments sortis de terre au niveau de l'UPN, bâtiments sortis de terre au niveau de l'ex-hôpital Mamayemo, bâtiments sortis de terre au niveau de la Gombe. Trois cérémonies présidées aujourd'hui par le président de le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut le faire, il faut vraiment le faire en moins de trois ans. En moins de trois ans, avec autant de réalisations, il faut le faire. Regardez ces belles images qui sont sélectionnées par Pécho Mubenga Kasongo. Il y a Kasongo. Le président vient d'arriver ici au niveau du centre hospitalier universitaire Renaissance. Il va descendre de sa Jeep et salué par le comité restreint composé du gouverneur de la ville, ministre de la Santé, le commandant de la 14e région militaire, le bourgmestre de la Gombe, le DG de Beseko. Voilà le chef de l'État qui vient d'arriver. Il salue les comités d'accueil, très chers téléspectateurs. Regardez, j'aime beaucoup la sociologie de la communication. Giscard Koussema ne va pas me contredire. L'expression faciale du chef de l'État. Heureux, il est décontracté et oui. On sent dans son visage qu'il a le sentiment du devoir accompli. Regardez. Voilà, un projet qu'il a commencé et qui vient d'aboutir, qui est arrivé à terme. Donc il y a de quoi être heureux. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est l'homme le plus heureux parce qu'il vient inaugurer des œuvres qu'il a entamées et des œuvres qui n'ont pas de précédent, on l'a dit. Seuls les colons, comme le disait le ministre tout à l'heure, seuls les Belges ont construit ce genre de bâtiment. Et lui est le deuxième à l'avoir. Merci, Giscard Koussema. Regardez cet accueil délirant, féerique, réservé aux garants de la nation. Les œuvres de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne sont pas seulement à Kinshasa. Il faut le dire, c'est disséminé à travers tout le pays, surtout au travers de son programme de développement local de 145 territoires. Il salue les invités qui sont là, le président du CESAC, le premier ministre. Bientôt, le chef de l'État va prendre place sur son fauteuil présidentiel. Il est temps juste de dire salutations à ces gens à ces invités qui ont fait le déplacement du centre hospitalier universitaire Renaissance. Regardez comment il est heureux. Il est tout heureux. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ovationné par le personnel. Très chers téléspectateurs, nous allons bientôt suivre les protocoles d'État pour les déroulés de la cérémonie d'inauguration du centre hospitalier universitaire Renaissance. Ici, ex-Mamayemo, ex-hôpital général de référence de Kinshasa Mamilela.
balandi ba télévision nationale bipa biso bozay ko na biso boye ba pe bomo na te ku mona na école fisi Antoine Tshisekedi de Tshilombo asili bongo konyata mabele ya mama yemo tokomisana na kombo ya sika centre hospitalier universitaire Renaissance et latimolato mwasika molato mwakitoko centre tongami ebongisami mosolo nde ba yebisi na biso euti na sanduku ya l'état pezali manaka mais ma bon sama ki onzela ministère ya santé ezai ko kambema na munganga Roger Kamba pe kuna ba bongisima sopote etongama na biteni mine lolenge ndeko Guy César Odimba alimbolo na biso sika to kola to yambi tata mukonje ekolo na tembete to koliki ate to limbo ko banda manaka mabiso ma moko mwalelo pe sika esengo etondiawa ba sali ba hôpital mama emo ba e ba kambemi na munganga divengi nzambi ba tondi na sai ba tondi na sengo pamba te bango bazibongo bibundeli bya sika ndako ya sika wape pai ba kosala musala mwa bango mwa bopesi bokolo ba nzoto awa na biso ba sali ba mama emo ba tondi na sengo bazali ko pesa kosanzola tata mukonje ekolo pesa ntam tsike Tshilombo to ebite soki peso mubenga akoiko tika tolanda maloba ya basali ya mama ye mama ya zeko loba to ebite na bibundelier tenteze na yango makoki mako salema to zali kokoba babe na loyembo ya karmapa zembo ya mama ye mo to tolanda tolanda ya mbote viki kenge azoloma ya mbote protocole d'etat akamata maloba Thank you.
avec l'expression de nos hommages les plus différents. L'audience du public qui a demandé au président de soulever la main et il a exécuté. C'est quelqu'un qui obtempère la volonté populaire. On a l'habitude de le voir. Vous regardez comment il est tout content, avec un personnel plus que jamais déterminé pour travailler dans des conditions ne plus décentes. Regardez cette jeunesse mobilisée entièrement au service de la nation. Infirmiers, infirmières, médecins, tout le monde à l'unisson pour dire merci. Merci à cet homme. Le 19 décembre 2023, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à l'inauguration de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, qui revêt sa nouvelle robe moderne grâce aux fruits de votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République. Le programme prévoit le mot du directeur général du Bureau central de coordination, BCECO en sigle, le mot du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, la locution de circonstance du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Ensuite interviendra la coupure du ruban symbolique, le dévoilement de la plaque par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi de la visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur le Directeur Général de BCECO à prendre la parole. Maloba mekopesa mabongo na mokambi ya BCECO. BCECO yango ezali nzela epesemaki po te maso mabongisama na manaka mamosala me mabongisami na ministère ya santé ekambami na Roger Ekamba. Topesi bongo protocole d'état epesi maloba na mwana mboka Jean Mabi Mulumba, mokambi ya BCECO, nde akozwa maloba liboso tota oboso ya tata mokonzi ya ekolo po ya molulu mwa mokolo mwa lelo ndenge RTMC ezali kolandisa bino na bilili. Tolanda DG ya BCECO Jean Mabi Mulumba. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa. La cérémonie d'inauguration de ces jours, qui porte sur la première phase achevée de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, rebaptisé Centre hospitalier universitaire Renaissance, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en ce qui concerne la santé des Congolais. En effet, lors de son allocution au Forum international sur la vaccination en République démocratique du Congo le 21 octobre 2022 au Musée national, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait déclaré, je cite, « Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en fais l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est ainsi que, fort de cet engagement et sous son impulsion, le plan stratégique national pour la couverture santé universelle 2020-2030, qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la relance du développement de la RDC menée par une population en bonne santé, a été adopté et est actuellement mis en œuvre, notamment à travers le lancement de la gratuité d'accouchement et des soins de nouveau-nés. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra que lors de la cérémonie d'inauguration le 8 avril 2023 de l'hôpital militaire de référence du camp colonel Tchatch, réhabilité et modernisé sous votre impulsion, nous annoncions que les travaux de réhabilitation et de modernisation des centres hospitaliers universitaires Renaissance ex-Mamayemo, construits en 1912, étaient en cours. Ces jours marquent encore la matérialisation de votre volonté d'améliorer le système de santé en République démocratique du Congo en faisant renaître un hôpital centenaire
en état de délabrement très avancé, jadis abandonné à son triste sort, sous financement des ressources propres de l'État congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la première phase que vous avez l'honneur d'inaugurer ces jours dans le centre hospitalier universitaire Renaissance, une capacité de 551 lits, 48 bureaux, 106 chambres et 79 locaux de service. Les travaux ont consisté en la démolition des pavillons 1, 2, 3, la construction du bâtiment, du premier bâtiment type R4 plus sous-sol, comprenant la cave, destinée aux services techniques, ascenseur, cuisine, buanderie, salle des machines, etc. et dispose de deux bâches à eau, dont une voile mince pour l'anti-incendie d'une capacité de 300 mètres cubes et l'autre en inox d'une capacité de 100 mètres cubes d'eau potable ainsi que des parkings. Les rez-de-chaussée destinés au bureau de l'administration et des consultations telles que médecine interne, gynéco-obstétrique, chirurgie et pédiatrie. Le premier étage est destiné à l'hospitalisation de la chirurgie et les blocs opératoires. Le deuxième étage destiné à la gynécologie, la pédiatrie, les blocs opératoires pour maternité et salle d'accouchement. Le troisième étage est destiné à une unité d'hospitalisation. Enfin, le quatrième étage destiné au service VIP de l'hospitalisation de la médecine interne et chirurgie. La construction de l'hôpital du jour disposant d'un bloc technique pour dialyse, imagerie et urgence de 729 m² de superficie. La construction de la morgue de 590 m² de superficie d'une capacité de 116 corps, comprenant la partie technique et la partie publique. La réhabilitation du bâtiment patrimoine, pavillon 1, l'assainissement du site, l'aménagement extérieur. Du point de vue énergétique, les bâtiments de l'hôpital jour et urgence disposent d'un groupe électrogène de 400 kVA. Les bâtiments d'hospitalisation disposent de deux groupes électrogènes de 400 kVA chacun. La morgue dispose également d'un groupe électrogène de 400 kVA aussi. Quant aux équipements médicaux et non médicaux, il convient de citer notamment qu'il est fourni un scanner, des équipements d'échographie, les équipements et matériels de laboratoire ainsi que le mobilier des bureaux. Une usine de production de gaz médicaux est installée dans la cave qui va produire l'oxygène et l'air comprimé. Il convient de signaler que les travaux ont été réalisés par l'entreprise Modern Construction et l'entreprise congolaise de construction, sous le contrôle et la surveillance du bureau concepteur Yambo et associés. Les équipements médicaux et non médicaux ont été livrés par les sociétés Wagenya, Essor Equipment et Sinoco. Les matériels roulants savoir, 7 ambulances médicalisées, 3 véhicules 4x4 stations wagons de 13 places et 2 bus de 66 places ont été livrés par l'entreprise Safimex. 4 autres bus de 66 places ont été livrés par la société Suprême Automobile afin d'assurer les transports du personnel de l'hôpital. Excellence, Monsieur le Président de la République, il convient de signaler que les travaux se déroulent en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital. L'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant actuellement occupé par les patients, les travaux relatifs débuteront après de localisation des patients qui occuperont les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase. Et la troisième phase plutôt. Les études techniques sont déjà achevées et les procédures de passation des marchés débuteront au cours de l'année 2024. Cette deuxième phase est constituée de 2 bâtiments principaux, à savoir les plateaux techniques et les bâtiments hospitalisation. Chaque bâtiment aura 4 étages plus un sous-sol pour des services dédiés, entre autres l'imagerie par résonance magnétique, la stérilisation centrale et la dialyse. Dans l'entretemps, les travaux de la troisième phase en cours d'exécution derrière les bâtiments devant vous, objet de la présente inauguration, avancent à grands pas et devront s'achever au cours de l'année 2024. Les travaux consistent en la construction d'un immeuble R4 plus sous-sol destiné à la médecine interne et spécialisation. La construction d'un immeuble R+4 destiné à l'hébergement au restaurant et à la chapelle. La construction d'une levure centrale R+4 jouant le rôle de passerelle. La rénovation des pavillons 16 et 17 dédiés à la maternité et à la pédiatrie. L'assainissement du site et la construction d'une station d'épuration. L'aménagement extérieur. L'opportunité de ce jour nous permet d'annoncer qu'à terme, toutes les 3 phases achevées, ce centre hospitalier universitaire Renaissance disposera d'une capacité de 2550 lits.
faisant de lui une référence en Afrique centrale. C'est ici l'occasion pour nous de vous remercier de la confiance placée dans le Bureau central de coordination pour l'exécution des projets et programmes dans divers secteurs de la vie nationale. Et de ce fait, nous vous réitérons notre engagement à travailler avec professionnalisme pour atteindre les objectifs de projets et programmes nous confiés, quelle que soit leur complexité. Nous sollicitons votre implication personnelle, Excellence Monsieur le Président de la République, pour la mise à disposition des ressources nécessaires pour garantir le fonctionnement de ce centre hospitalier qui est votre œuvre personnelle. Par ces mots de circonstance, nous invitons les bénéficiaires au bon usage des bâtiments construits et des équipements livrés en tant que bon père de famille, en vue d'en assurer une pérennité de services offerts. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, à bien vouloir prendre la parole. Protocole d'État est bien guiné à Maloba, Monganga, Divengi, Nzambi, Monganga Mokondi à l'hôpital Mamayemo, Yazali Bongo, rhumatologue, Topé, Akosai Saraming Mikua, Mdeko, Monganga Divengi, Nzambi, interniste rhumatologue, DG ya centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mamayemo, Tokomesana. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Excellence, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le secrétaire général à la Santé publique, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs des missions diplomatiques, distingués invités à vos titres et qualités, je voudrais avant toute chose remercier et rendre hommage au Président de la République et chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son esprit d'initiative dont nous saluons les fruits ces jours et surtout son souci permanent d'améliorer l'état de santé de la population à travers son programme d'action dans le secteur de santé basé sur la couverture santé universelle. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Son Excellence Dr Samuel Roger Kamba Mulanda, qui dirige de main de maître le secteur de la santé avec un leadership basé sur la bonne gouvernance dans une approche participative. En ces jours du 19 décembre 2023, le ciel et la terre de notre pays, la République démocratique du Congo, vibrent de joie. Les ancêtres de la macrostructure médicale de l'hôpital général ex-Mamayemo, aujourd'hui centre hospitalier universitaire Renaissance, se réjouissent de leur lieu d'éternel repos. La grande communauté de l'hôpital général est aujourd'hui honorée d'être bénéficiaire de ces précieux projets de reconstruction, de rénovation et de modernisation. En ces moments inoubliables, laissez-moi brosser un peu l'historique de cet hôpital 111 ans après. En 1912, l'hôpital avait un seul bâtiment
l'ex-pavillon 13, offrant de soins ambulatoires uniquement, et s'appelait hôpital ou dispensaire des indigènes congolais. Ces bâtiments de l'ex-pavillon 13 a été choisi dès le concept de ces précieux projets pour abriter l'histoire de ces prestigieux hôpitaux. Ainsi, cet ex-pavillon 13 deviendra le musée de l'hôpital et les archives de l'hôpital. Pour cela, nous sollicitons l'appui de votre Excellence pour adjoindre à notre dispositif l'expertise du musée national, des archives nationales et les concours de l'UNESCO pour de simples raisons que ces musées et ces archives doivent être organisées dans les normes et standards internationaux. En 1926, l'hospitalisation est organisée dans cet hôpital avec 80 lits, distinctement subdivisés en services de médecine interne, de maternité, de pédiatrie et de dispensaire. Rapidement après, la capacité d'accueil est ramenée à 150 lits en 1930. Compte tenu des circonstances particulières et historiques de notre pays qui ont occasionné une montée démographique à Kinshasa, ex-Léopoldville, il s'agissait notamment de la construction du chemin de fer Léopoldville-Matadi, de la création d'un certain nombre d'entreprises, les sociétés Chanik, Utexco, Willerie du Congo belge, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, la croissance démographique devenant de plus en plus importante, l'hôpital atteint une capacité d'accueil de 1250 lits en 1958. L'hôpital pour Congolais devint alors hôpital de Léo-Est et en 1965, il changera d'appellation pour être nommé Hôpital Général de Kinshasa. Partant de 1968, l'hôpital a été géré par le Fonds médical de coordination, appelé FOMECO, et c'est là baptisé Hôpital Mamayemo, en 1971, exactement le 18 mai. Cette période est qualifiée d'apogée pour l'hôpital. Non seulement des prestataires qui avaient aussi des utilités, non seulement pour des prestataires de l'hôpital qui étaient très prestigieux, mais aussi des utilisateurs congolais et étrangers avec un flux important de patients venant des divers pays limitrophes. Et même la République sud-africaine venait chercher des soins médicaux dans cet hôpital. Avec ces moments-là, la capacité d'accueil a été ramenée à 2000 lits en 1996. L'histoire retiendra toutefois qu'à cette époque, des expatriés belges et des Américains étaient à la commande et que le budget de l'hôpital avoisinait 30% de l'enveloppe globale réservée à la santé. Excellence, monsieur le président de la République et chef de l'État, après ces moments d'apogée, de prospérité, d'honneur et de dignité pour cet hôpital, les 3 à 4 dernières décennies
ont été caractérisés par des misères, des pleurs, des grincements des dents dus à la dégradation des conditions de travail, plongeant ainsi l'hôpital général dans un trou noir. L'honneur et la dignité de notre noble profession médicale ont été entamés. Le peuple congolais a commencé à perdre l'espoir d'une prise de charge, d'une prise en charge médicale qui n'était plus correcte. Et on a fini par comprendre que faire et promettre, c'était deux choses différentes. Parce que nos ancêtres qui nous ont précédés dans cet hôpital, les directeurs qui ont précédé dans cet hôpital, tous ceux qui ont travaillé dans cet hôpital espéraient une fois à la réhabilitation de cette structure médicale, mais en vain. Et l'hôpital continuait à dégrader jusqu'à atteindre une capacité d'accueil de 759 lits. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que demain, permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que le 20 restera pour nous une date historique et mémorable, parce que c'est effectivement le 20 octobre 2021 que le premier coup de pioche a retenti dans cet hôpital. Espérant que le président de la République viendra d'abord faire un tour pour une cérémonie de pose des premières pierres. Mais on nous a soufflé que ça ne vous intéressait pas du tout. Et que ce qui vous intéressait, c'était le commencement des travaux et la rapidité avec laquelle ces travaux devraient se faire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguées personnalités et à vos titres et qualités. Dans cette esplanade érigée pour célébrer cette manifestation, je vais rappeler que les anciens qui avaient perdu l'espoir et qui étaient encore et qui sont encore en vue, il y en a parmi eux qui m'ont approché pour me dire, médecin directeur Moana Nangai, Biso Tozelaki Likamboyo Tang Molaï, Baninga na biso ba koufi et ba sili ko koufa, bazo continue ko koufa, bazui chance ya komona likamboyo te. Awa yangwe salami, tika ete nzambe apambola papa Félix Antoine Tshisekedi. Je voudrais rappeler à votre excellence que ces aînés qui nous ont précédés et ces aînés qui nous ont montré la voie d'une gouvernance institutionnelle ont également demandé une récompense. Voilà pourquoi nous sollicitons à votre excellence la décoration par la chancellerie des ordres nationaux des illustres personnalités de notre hôpital, dont certains à titre posthume. À ces groupes d'aînés professionnels, permettez-moi de révéler à l'auguste assemblée que maman Marthe Tshisekedi, notre vénérable mère, fait partie de nos référents. Elle a travaillé au département de
gynéco-obstétrique. Et parmi ceux qui sont ici, il y en a qui l'ont connue, qui ont travaillé avec elle comme coéquipier. Nous sommes heureux d'apprendre que c'était réellement une vénérable mère, très serviable et qui a laissé des empreintes dans cet hôpital. Merci, maman, pour nous avoir donné un fils digne qui réhabilite cet hôpital. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguées personnalités ici présentes, à nos titres et qualités, tout protocole observé. Je ne pourrai pas abuser du temps. Je crois que notre année reste une année particulière. Grâce à Dieu et l'aiguillage de notre autorité de tutelle qui nous ont accompagnés dans des circonstances combien difficiles où l'hôpital avait baissé ses recettes de plus de la moitié, mais nous avons résisté pour faire fonctionner cet hôpital de transition jusqu'à atteindre cet heureux jour. Plusieurs difficultés qui nous ont été confrontées, dont l'absence de subventions conséquentes, les difficultés d'assurer une meilleure gestion rationnelle des ressources humaines, compte tenu des vieillissements de plusieurs centaines de prestataires qui attendaient la retraite, mais qui, hélas, ne sont pas partis. Des vieillissements en cascade de malades à domicile et plusieurs décès pendant notre gouvernance. Certaines maisons d'habitation accordées aux médecins depuis plusieurs années commencent à poser des problèmes avec le ministère de l'Habitat. Difficultés que nous aimerions bien résoudre. Difficultés également face à la prise en charge de coûts dus à l'hygiène hospitalière, d'entretien et de maintenance. Ainsi, nous demandons que cet hôpital que nous recevons aujourd'hui par votre bravoure, par plusieurs efforts que vous avez eu à mener, nous demanderons qu'il reste un hôpital du peuple. Que cet hôpital reste un hôpital du peuple, appliquant ainsi une tarification forfaitaire subsidiée. Que toutes les stratégies de la couverture santé universelle se déploient pour garantir un avenir radieux à cet hôpital, débutant par une application de maternité gratuite. Malgré vents et marées, la maternité gratuite à l'hôpital général est restée une réalité vivante. Nous demandons également à votre autorité et à l'autorité de tutelle qu'un projet d'établissement hospitalier basé sur une logique de performance avec une gestion axée sur les résultats et la redevabilité puisse demeurer afin d'assurer une bonne marche de cet hôpital afin que nous ne puissions plus dégringoler comme c'était le temps des quatre dernières décennies. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, que vive l'hôpital général désormais centre hospitalier universitaire Renaissance, que vive le président de la République. Je vous remercie. Nous invitons
Nous invitons Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour son mot. La parole est donnée au patron du ministère de la Santé du Congo démocratique, le docteur Roger Kamba, qui, je le rappelle, il a fait ses études ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, faculté de médecine. Il est pédiatre de formation et ça fait plus de 30 ans qu'il est l'un des disciples, véritables disciples d'Hippocrate. Alors ce jour, c'est lui qui est à la base de ce projet qui concrétise le changement radical, pour ne pas dire radical, de l'hôpital Mamayemo Blaise Lecomte. On appelle désormais Centre Hospitalier Universitaire Renaissance, ex Mamayemo, Ndenge Tosololina jusqu'à Kusema. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier Ministre, avec l'expression de ma très haute considération. Honorables membres du Parlement, Excellence, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Secrétaire général à la Santé, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements publics ici présents, distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs. À l'occasion de l'inauguration de ce bijou, ce bâtiment beau, grand et imposant qui est ici devant nous, qui marque le début d'une nouvelle ère, en l'occurrence celle de la refondation du secteur de la santé en République démocratique du Congo, permettez-moi d'exprimer mon immense joie et ma profonde gratitude, en même temps de rendre les hommages les plus déférents et mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, à votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires et par l'absence de construction ne serait-ce que d'un seul hôpital public depuis notre indépendance en 1960. Cette vétusté était symbolisée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu un lieu moins représentatif du mot hygiène, du mot prévention et du mot curatif. Devant ce constat, vous avez conduit un diagnostic sans complaisance de notre système de santé, ce qui a amené à la conception d'un plan de refondation de ce système autour d'une vision phare de l'implémentation de la couverture santé universelle. Plusieurs actions, aussi bien matérielles qu'immatérielles, sont à l'actif des politiques que vous avez menées, Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé. Ces politiques sont parties de la conception du plan de la couverture santé universelle dans notre pays jusqu'à sa mise en œuvre. Vous avez changé la loi de la santé, Monsieur le Président de la République, cette année. Sur les deux piliers majeurs de la couverture santé universelle, que sont la protection financière et l'amélioration de l'offre de soins des Congolais et des Congolaises, le 5 septembre dernier, vous avez lancé à Kinshasa la gratuité des soins de grossesse et du nouveau-né comme premier paquet subventionné totalement par le gouvernement. Cette gratuité est en cours d'extension dans d'autres provinces à l'heure actuelle. L'hôpital général de référence de Kinshasa, qui va être inauguré tantôt, est sans doute l'un des outils déterminants dans l'amélioration du deuxième pilier qui est l'offre de soins dans notre pays. Le développement de cet hôpital est prévu en trois phases. Et cette première phase que vous lancez aujourd'hui constitue un investissement de taille à côté d'autres structures de santé déjà construites et ou réhabilitées sur fonds propres du gouvernement congolais. En l'occurrence, plus de 787 centres de santé dans le cadre du PDL 145 territoires. L'hôpital Sendoué à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. L'hôpital de la Mouya à Mbujimayi dans le Kasaï oriental, ainsi que l'hôpital de la CNSS à Lubumbashi, pour ne citer que cela, et l'hôpital Mabanga, sous la protection de la Première Dame, et qui va s'occuper des enfants qui présentent des maladies graves, comme la drépanocytose. L'hôpital que vous inaugurez aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, a plus de 550 lits, et pour vous donner une idée, l'hôpital Ngaliema a 265 lits, et les cliniques universitaires, à peu près 500 lits. Le ministère des Finances a financé les travaux de cet hôpital à travers le BCECO
et les travaux ont pris 2 ans. La deuxième et la troisième phase seront terminées pratiquement dans les mêmes délais. À terme, cet hôpital aura 2500 lits et environ 6000 travailleurs. Il deviendra donc l'une des plus grosses entreprises de la ville-province de Kinshasa. Nous avons décidé d'en faire un centre universitaire, un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de cet hôpital vers un autre hôpital de la RDC, étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Pour preuve, Excellence, Monsieur le Président, vous allez constater que le scanner installé dans cet hôpital est de 128 barrettes, ce qui en fait le deuxième du pays après celui du camp Tchatché. Notre ambition est de faire de cet hôpital le meilleur de l'Afrique centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, malgré sa modernisation, cette structure restera un hôpital du peuple, accessible à toutes les bourses, afin que chaque Congolais, chaque Congolaise, en commençant par les Quinois et les Quinoises, puissent y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement. L'hôpital va collaborer avec les meilleures universités du pays et d'ailleurs afin d'assurer son nouveau statut universitaire. S'agissant du social des travailleurs, une attention particulière y a été accordée afin de garantir des conditions de travail optimales. C'est entre autres choses pour faciliter le transport des travailleurs que des bus sont déjà disponibles pour les 4 districts de Kinshasa. Ce n'est donc plus le même hôpital ex-Mamayemo de 1912 et c'est pour cela, sur votre instruction, Monsieur le Président de la République, cet hôpital est désormais dénommé Centre Hospitalier Universitaire Renaissance de Kinshasa. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, si vous tapez sur Google « Hôpital certifié en RDC », vous n'en trouverez aucun. C'est pourquoi le nom « Renaissance » veut dire que désormais tout va changer dans le système de santé. Le Centre Hospitalier Universitaire Renaissance marquera ce changement. Les normes hospitalières les plus rigoureuses permettront d'atteindre les nouvelles missions qui sont les missions de soins et de formation. Le processus de certification par un cabinet reconnu sera amorcé dès l'ouverture. Le contrôle qualité et la gestion des projets seront une priorité. Comme vous allez le constater, l'informatisation de tous les systèmes de gestion sera le standard de base et deviendra la seule façon qui permettra le suivi et l'évaluation de l'hôpital. Ceci s'appliquera d'ailleurs à tous les hôpitaux de la République démocratique du Congo. Les services connexes indispensables comme la maintenance des appareils, la buanderie, la gestion des stocks, la disponibilité des intrants et des médicaments seront mis en place dès le départ. Un accent particulier sera mis sur la communication et le respect des malades pour remettre l'homme au centre de nos actions. Après l'inauguration de ce jour, un temps sera accordé aux gestionnaires pour prendre possession de l'hôpital et préparer l'accueil des malades dans les meilleures conditions. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette œuvre, comme tant d'autres précitées, est une preuve éloquente de votre engagement ferme et inébranlable à servir au destin radieux du peuple congolais en proie à des défis importants sur le plan sanitaire. J'aimerais finir mon propos en vous rassurant que vous représentez l'espoir de tout un peuple qui s'est résolument décidé de vous renouveler l'énergie nécessaire pour la poursuite de votre œuvre. Que vive la Renaissance!
médical et aller ailleurs.